L'heure est grave, mes amis, je vous le dis. À vrai dire, la situation, je pense, n'a jamais été aussi grave qu'à l'heure actuelle. Et sur le sujet, bah, c'est de parler de cet article 13 qui va totalement décimer Internet et qui va envoyer tous les youtubeurs à Pôle emploi. Et qui risque fort de signer la fin d'Internet, en tout cas tel qu'on le connaît et tel qu'on a contribué à le construire. Beaucoup de youtubeurs en parlent comme si ça allait être la fin de YouTube. C'est en fait tout simplement de la censure. You can't upload footage of me, okay? They will restrict content in the European Union. Bon, ça fait quelques jours que vous entendez parler de l'article 13 partout. Beaucoup de youtubeurs ont fait des vidéos dessus, certains sont pour, d'autres sont contre. On entend plein de choses et souvent des versions bien différentes sur ce truc-là. Alors on a décidé de tirer les choses au clair et de tout vous expliquer. Et surtout vous montrer que tout ce qui est dit est le plus souvent faux. Mais avant, pourquoi nous? Quelle légitimité a-t-on? Et en quoi notre vidéo est différente de celle des autres? Eh bien parce qu'on fait partie des deux camps qui sont en opposition dans cette histoire. YouTube et les sociétés d'auteurs. Premièrement, on est youtubeur, on vit de YouTube et on passe même directement des partenariats avec eux ou même Google. Donc on ne veut surtout pas que YouTube ferme en Europe. Pour info, Google et donc YouTube, comme d'autres plateformes internet, sont contre l'article 13 sous sa forme actuelle. Et d'un autre côté, on est aussi membre de la SCAM, l'une des sociétés de droits d'auteur en France, très favorable à l'article 13. On est même allé défendre en juin dernier les droits d'auteur avec eux au Parlement européen. Et moi, à titre personnel, je fais même partie d'une commission visant à développer les nouvelles formes d'écriture à la SCAM. Et notre avantage, c'est qu'on a pu rencontrer les deux camps, leur parler, comprendre et vous expliquer tout ça. Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur ça, on a eu plusieurs fois la SCAM, YouTube ou encore des parlementaires européens au téléphone, dont Marc Joulot ou Jean-Marie Cavada, les députés européens qui sont en faveur de cette directive. Bref, tout ça nous permet de faire un gros dos très complet sur le sujet. Alors ok, ça paraît un peu complexe, mais on a fait de notre mieux pour simplifier le discours, donc ça devrait aller, n'ayez pas peur. On vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'en fouillant un peu, on a trouvé des trucs très intéressants. Et pour info, nous ne prenons pas parti pour un camp plus que l'autre dans cette vidéo. Le but est que vous vous fassiez votre propre opinion sur tout ça et que vous n'écoutiez pas juste l'avis des uns ou l'avis des autres. Mais d'abord, reprenons les bases. En gros, l'article 13 a la volonté d'imposer aux sites internet un strict respect du droit d'auteur sur les contenus qu'ils diffusent. Plus simplement, protéger les artistes qui voient leurs œuvres se retrouver sur internet en les rémunérant ou en bloquant les contenus selon le choix de l'artiste. Pour ça, l'article 13 demande aux plateformes de contrôler leurs contenus et d'en être responsables. Ça, c'est dans les grandes lignes. Mais avant de rentrer en profondeur, définissons le contexte dans lequel arrive l'article 13. Parce que ça a beau être lui dont on parle beaucoup ces jours-ci, sachez que l'article 13 n'est qu'un article parmi tant d'autres au sein d'une directive européenne. Une directive, c'est quoi? C'est simplement un ensemble de textes qui sert à fixer un objectif à atteindre par les États membres de l'Union européenne sur un sujet précis. La nuance avec une loi est simple. La loi, c'est la loi, on l'applique comme elle est énoncée, on discute pas, alors qu'une directive est modulable par chacun des États membres pour l'appliquer au mieux dans son pays. Donc l'Union européenne ne va pas dire c'est comme ça, c'est tout, mais plutôt faites ça, mais arrangez-vous pour que ça colle au mieux avec votre pays. Bref, cette directive, et donc l'article 13 qu'on retrouve dedans, concerne les droits d'auteur dans l'Union européenne. Pour faire court, elle permet de protéger les petits et gros créateurs en leur permettant de toucher des revenus pour leur travail, et ce, peu importe la plateforme où leurs œuvres sont relayées. Si c'est eux qui choisissent de diffuser leur contenu, ben faut qu'ils touchent de l'argent. Et même si ce contenu est diffusé par quelqu'un d'autre qui n'a pas les droits dessus, les auteurs originaux doivent également toucher de l'argent. Bon, ça c'est vraiment juste pour rester en surface et vous donner quelques clés de compréhension. Mais on y reviendra plus en détail plus tard. Alors déjà, sachez que cette directive, elle n'est pas toute neuve, elle ne vient pas juste d'arriver. La première fois qu'elle a été présentée par la Commission européenne, c'était en 2016. Et il aura fallu attendre cette année pour que des discussions soient mises en place entre les différents acteurs européens pour peut-être arriver à un accord. En tout cas, aujourd'hui, la version finale de l'article 13 n'existe pas. Pour que vous compreniez mieux, on va vous expliquer brièvement comment ça se passe pour faire passer une directive au niveau de l'Union européenne. Pour celle-ci, voilà comment ça fonctionne. On a trois intervenants différents, la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. La Commission européenne écrit cette directive et en sort donc une version A qu'elle transmet au Conseil et au Parlement. Le Conseil et le Parlement l'examinent, la modifient et sortent chacun leur propre version du texte. On se retrouve donc avec une version A, B et C. Alors les nuances peuvent être légères comme radicales, mais en tout cas le texte n'est plus exactement le même. Et du coup aujourd'hui tout ce qu'on a c'est donc ce texte publié en 2016 par la Commission européenne, la version A, la version B du texte approuvée par le Conseil de l'Union européenne en mai 2018 et la version C adoptée par le Parlement européen en septembre 2018.
Et comme personne n'est d'accord, ce serait cool qu'ils puissent se réunir pour en discuter et trouver un compromis. Bonne nouvelle, ils se sont déjà réunis à plusieurs occasions, on appelle ça un trilogue, c'est comme un dialogue mais à trois quoi, et le dernier a été réalisé le 3 décembre 2018. On précise par contre qu'aucune échéance n'a été donnée pour aboutir à une version finale du texte. Ils se sont réunis, mais voilà, ils ont aucune pression, aucune date précise pour livrer une version définitive. Et d'ailleurs, d'autres trilogues sont déjà prévus. Bref, suite à ces trilogues, si un compromis est trouvé et qu'on arrive à une version D du texte, le tout doit être réexaminé par le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne pour être validé. Une fois validé, il faut encore 2 ans pour le mettre en place. Donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui, rien n'est réellement certain, ni le contenu de la directive, ni son application. Bon, maintenant qu'on sait d'où vient cette directive et donc l'article 13, essayons de comprendre ce qu'il dit concrètement et donc ce qui va changer s'il est validé par le Parlement européen. Pour ça, on s'est procuré les 3 versions dont on parlait juste avant, celle de la Commission européenne, du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen. Ils ne sont pas d'accord sur tous les points, du coup on va essayer de vous parler des similitudes et des différences. Maintenant qu'on sait tout ça, attaquons-nous au gros du sujet. Que dit l'article 13? Il y a 4 points importants. Les plateformes deviennent responsables du contenu qui est posté par les utilisateurs. Elles vont devoir rémunérer les droits d'auteur. Si aucun accord n'est trouvé, les plateformes sont obligées de coopérer avec les auteurs qui en font la demande. Et enfin, il sera possible de faire un recours contre une décision prise par les plateformes. Avant d'aller plus loin, il nous semble important d'expliquer le nerf de la guerre, c'est quoi les droits d'auteur et comment on en gagne. Le droit d'auteur, c'est une notion un peu philosophique et très juridique qui part du principe que quand tu crées quelque chose, c'est à toi, et que du coup tu as des droits sur ta création. Et ces droits se manifestent dans plein de choses, notamment la paternité du projet et la rémunération liée à ce projet. Et il y a des droits d'auteur pour plein de choses différentes, que ce soit des sculptures, des peintures, des bâtiments, des chansons, des chorégraphies, des œuvres multimédia. Ça englobe beaucoup de créations différentes. Donc voilà, si tu crées quelque chose, cette chose doit te rapporter de l'argent si elle en génère. La plupart du temps, les auteurs touchent cet argent par leur société d'auteur. Prenons un exemple concret avec la télévision et prenons TF1 parce que c'est une chaîne privée, ça sera plus simple. Lorsqu'une série, un reportage ou une émission est diffusée, TF1 gagne de l'argent avec les publicités qui passent entre les programmes. Mais tous ces contenus ne sont pas créés directement par TF1. Ce sont des sociétés de production qui s'en chargent et TF1 achète les droits de diffusion. Par exemple, Joséphine Ange Gardien est produit par DEMD Productions et TF1 paye cette société pour qu'il puisse faire la série et la diffuser. Cet argent sera rentabilisé avec les pubs, mais dans l'argent que gagne TF1 là-dessus, ils doivent aussi payer les sociétés d'auteurs. Et cette somme est un pourcentage de leur chiffre d'affaires global. Donc plus ils font d'audience, plus ils gagnent d'argent, plus ils en donnent aux sociétés d'auteurs. Et des sociétés d'auteurs, il y en a pour chaque registre d'artistes. Par exemple, la SACEM pour ce qui touche à la musique, la SACD pour ce qui est de la fiction, ou encore la SCAM pour ce qui est du reportage. Ensuite, cet argent est redistribué aux auteurs, aux scénaristes, aux réalisateurs ayant déposé leurs œuvres. Le scénariste de Joséphine Ange Gardien touche donc des droits d'auteur. Et ces droits sont calculés en fonction du nombre de diffusions et de l'audience. C'est ce fonctionnement-là que l'article 13 vise à mettre en place sur Internet. Mais dire qu'il faut mettre ça en place sur Internet, ça reste un peu vague. Donc, quels sites et quelles plateformes sont concernés ici? On vous parlait tout à l'heure des nuances qui pouvaient exister entre les différentes versions du texte, et là, il y en a une. Le Parlement et le Conseil de l'Union européenne proposent d'exclure des plateformes concernées celles qui sont à but non lucratif, comme les encyclopédies en ligne telles que Wikipédia ou les marchés en ligne comme eBay. Et en plus, le Parlement, lui, rajoute une exception concernant les petites et moyennes entreprises. En revanche, la Commission, elle, ne mentionne aucune exception. Donc ça, pour le coup, c'est pas encore joué, mais ce qui est certain, c'est que des plateformes comme Facebook, Twitter, Twitch ou YouTube seront totalement concernées par l'article. Maintenant, on va aborder rapidement quelque chose qui existe, hein, et ce sont les exceptions aux droits d'auteur. En gros, tout ce qui ne peut pas être soumis aux droits d'auteur et donc à la violation de ses droits. Ce qu'on ne peut pas déposer ou ce qu'on peut utiliser même si c'est pas à nous. Et si on en parle, c'est parce que cet article vise également à respecter ces exceptions. Donc, on conserve le droit à la parodie, à la critique, au détournement, à la citation et surtout la liberté d'expression. Maintenant, abordons en détail les points importants de l'article 13. L'article 13 veut donc rendre les plateformes responsables des contenus postés par les utilisateurs. Car il faut le savoir, à ce jour, les sites comme Twitter, Facebook, Twitch ou encore YouTube n'ont aucune responsabilité juridique de ce que vous faites sur leur plateforme. Ils ont le statut de simple hébergeur. Ce statut d'hébergeur, c'est leur saint graal, c'est ce qu'ils ont le plus peur de perdre. Car avec le statut actuel, si vous mettez des vidéos à caractère offensant, porno ou même copyrighté, c'est vous et vous seul qui êtes en infraction.
d'information. YouTube n'est en aucun cas responsable et ne peut pas être attaqué. Vous imaginez donc à quel point c'est important pour eux. Mais ce statut, il n'est pas arrivé par hasard. En fait, il vient d'une autre directive européenne, qui était justement là pour protéger les hébergeurs de sites internet. Tels que OVH par exemple, une entreprise qui met à disposition des serveurs et un nom de domaine, comme letatou.fr, pour créer un site internet. Mais évidemment, dans ce cas-là, l'hébergeur n'est pas responsable de ce que les gens en font. Lui, il donne juste un accès, en quelque sorte. Sauf que les autres plateformes, comme YouTube, Facebook ou Twitter, se sont engouffrées dans cette directive et ont du coup obtenu le même statut, celui de simple hébergeur. Mais la différence avec OVH, c'est que YouTube, par exemple, gagne de l'argent directement avec les créations des vidéastes, en favorisant des contenus plus que d'autres ou encore en proposant des créations originales. Du coup, aux yeux de l'Europe, YouTube n'est plus un simple hébergeur et ils veulent donc le faire changer de statut. Dans ce cas, ils seraient juridiquement responsables de ce qui est posté sur leur site et donc des œuvres protégées par le droit d'auteur. Et ce statut actuel d'hébergeur permet aussi à YouTube d'avoir les pleins pouvoirs sur sa plateforme. Si demain, le site ne veut plus rémunérer les YouTubeurs et garder tout l'argent pour lui, il a techniquement et légalement le droit. S'il veut supprimer une vidéo ou fermer une chaîne sans aucune raison, là aussi, il a le droit. Mais ça, c'est sur le papier, parce qu'évidemment, YouTube ne le fera pas. Ils ont du bon sens. Et pour garder ce statut de simple hébergeur, ils font des efforts pour essayer de satisfaire tout le monde, sans même qu'ils y soient forcés avec une loi qui change leur statut. Mais si un jour ils changent d'avis, personne ne pourrait les en empêcher, puisque justement, il n'y a pas de loi. Enfin, il y a bien une loi du genre, mais elle n'a jamais été conçue pour YouTube, puisque cette plateforme n'existait pas à cette époque. Et du coup, on peut pas vraiment l'appliquer. D'un côté, un autre statut pour YouTube semble aberrant. On peut se demander comment YouTube pourrait être responsable des vidéos de chacun, sachant qu'ils ne choisissent pas ce qui est posté. Sachant qu'il y a 400 heures de vidéos postées par minute sur YouTube. Et d'un autre côté, comment YouTube ne pourrait pas être responsable? C'est leur plateforme, leur site, et si YouTube ne fait rien pour éviter que les artistes se fassent voler leur contenu, qui le fera? YouTube a le pouvoir d'être la plus grande plateforme de partage de vidéos au monde. Ils ne peuvent pas fermer les yeux et faire comme si de rien n'était. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ces deux points de vue qu'on vient de vous exposer, sur la responsabilité ou non de YouTube face au contenu mis en ligne, c'est justement le cœur du problème. Quel est le rôle de YouTube? YouTube cherche évidemment à minimiser leur rôle afin de se protéger. Le Parlement européen et les sociétés d'auteurs cherchent quant à eux à maximiser le rôle de YouTube afin que ce ne soit pas eux qui fassent la loi. De ce nouveau statut va découler tout le reste de l'article 13. Elles vont devoir rémunérer les droits d'auteur. Alors aujourd'hui, ils ont déjà un peu mis en place ce système avec le robot Content ID, mais c'est très limité et pas vraiment optimal. Donc on va d'abord vous expliquer comment ça fonctionne aujourd'hui, et on verra ensuite ce que l'article va modifier. YouTube est donc équipé d'un robot qu'on appelle le Content ID. Ils l'ont mis en place suite à de nombreuses pressions de grosses compagnies de cinéma et de musique qui en avaient marre de se faire pirater leurs œuvres sur YouTube. Il n'y a aucune obligation légale pour ça, c'est purement une action de YouTube, ce qui est plutôt cool. Malheureusement, il est très difficile d'accès, et majoritairement ce sont les grands groupes qui peuvent se permettre d'utiliser cet outil en y référençant leurs œuvres pour que le robot puisse en détecter de lui-même les reproductions. Ce qui évite donc les problèmes de copyright bafoués. Ce robot est donc capable de détecter les vidéos ne respectant pas les modalités de YouTube. Ça peut aller du sujet sensible à la violation du droit d'auteur. Quand ce robot détecte une vidéo incorrecte pour YouTube, il agit de plusieurs façons différentes. Soit il la bloque, soit il la supprime, soit il enlève la monétisation, donc la vidéo ne génère plus du tout d'argent, soit la totalité de la monétisation revient à la personne qui détient les droits d'auteur de ce qui était dans la vidéo. Ça fonctionne comme ça, et si jamais tu veux faire une réclamation par rapport à la décision prise par YouTube, c'est très compliqué. Donc pour résumer, aujourd'hui, Content ID fait son boulot, mais à ses limites. Avec cet article, les ayants droit et les plateformes vont être amenés à passer des accords sur l'utilisation et la rémunération. Alors, ce n'est pas nécessairement une obligation, c'est-à-dire que les plateformes ne vont pas devoir contacter chaque ayant droit ou chaque société de droits d'auteur pour leur demander d'utiliser leur contenu contre rémunération. Ce serait un gros bordel. Elles auront la possibilité d'en proposer à leur guise. Par contre, dans le cas où c'est les sociétés d'auteurs ou les ayants droit qui contactent directement les plateformes pour passer un accord, celui-ci sera obligatoire. Et du coup, ça crée une passerelle entre les plateformes et les maisons de droits d'auteur. Et en fonction de la nature de l'accord qui est signé entre YouTube et l'ayant droit, les artistes pourront toucher des revenus, donc les droits d'auteur, ou alors bloquer le contenu utilisant leurs œuvres. Il sera même possible de faire du cas par cas. Par exemple, je suis détenteur de telle œuvre et je souhaite que cette œuvre puisse être utilisée sur des chaînes qui parlent d'humour, mais pas de politique. En tout cas, voilà. Ce que fait déjà YouTube de son bon vouloir à petite échelle, ils vont devoir le faire par obligation légale, et ce, à plus grande échelle. Ce qui est intéressant pour les YouTubeurs avec l'article 13, c'est que toutes les œuvres qui ont une licence avec YouTube ne pourront plus être soumises à la démonétisation de Content ID. Si le joueur du grenier, par exemple, utilise une musique d'Harry Potter et que les compositeurs ou la Warner, si c'est elle qui a les droits, ont passé un accord avec YouTube, alors attention, ils vont pas devoir négocier un accord pour cette vidéo en particulier, hein, ce sera un accord général
générale pour toutes les utilisations. Alors le joueur du grenier pourra conserver une part de sa monétisation, et Harry Potter touchera lui aussi de l'argent pour l'utilisation de sa musique grâce aux droits d'auteur. Si aucun accord n'est trouvé entre les plateformes comme YouTube et les ayants droit, via les organismes de droits d'auteur ou en direct, alors YouTube devra prendre des mesures pour ne pas rendre ce contenu accessible. Et là, c'est un peu flou. La version du Conseil européen énonce carrément l'urgence de bloquer tout accès à ce contenu en question, alors que celle de la Commission et du Parlement parle de faire leurs meilleurs efforts pour faire respecter ces accords. Bref, c'est un des points de désaccord au sein même de l'Europe. Ce qu'il faut retenir, c'est ça: si le site est au courant, il doit agir. Si l'auteur a demandé à la plateforme de protéger telle œuvre, alors il doit le faire. En revanche, ça ne concerne que les contenus soumis au droit d'auteur où il n'y a pas eu d'accord. C'est-à-dire que tous les contenus protégés qui ont accepté de voir leurs œuvres utilisées sur YouTube, en contrepartie d'une rémunération sous forme de droit d'auteur, seront autorisés. Mais aussi les contenus qui ne sont pas déposés dans les maisons de droit d'auteur, ou encore les contenus des marques. Oui, parce qu'on a beaucoup entendu qu'on ne pourrait plus afficher de canettes de Coca-Cola dans sa vidéo. C'est faux. Et si tout le monde annonce ça, c'est parce que c'est YouTube qui le fait croire aux YouTubeurs. Mais ça, on y reviendra. Bref, le logo de Nike, la pomme d'Apple, tout ça est soumis aux droits des marques et non pas aux droits d'auteur. Ce n'est donc pas concerné par l'article 13. Pareil pour les figurines One Piece ou les peluches Pikachu. Les YouTubeurs auront autant le droit de les avoir dans leur décor qu'aujourd'hui. En droit européen, on appelle ça l'inclusion fortuite. Ça veut dire que ça fait partie du décor, mais que ce n'est pas le sujet de la vidéo. L'article 13 ne change rien à la situation actuelle. En gros, si t'as une marque qui apparaît dans une vidéo mais que ce n'est pas le sujet de la vidéo, tu as le droit. Et même si c'est le sujet de la vidéo et que tu en parles mal, c'est de la critique, tu as le droit car tu es protégé par la liberté d'expression. Donc voilà, les Pikachu et les canettes de Coca ne seront pas plus menacées demain qu'elles le sont aujourd'hui. Après, si le YouTuber met un épisode entier d'un dessin animé sur sa chaîne, là ça passe pas, mais ça c'est déjà le cas aujourd'hui. YouTube devra bloquer la vidéo seulement s'il y a une œuvre protégée pour laquelle YouTube n'a pas trouvé d'accord, et si l'auteur en fait la demande, et qu'il soit plus présente qu'un simple extrait, une citation, une parodie ou une critique. Seulement dans ce cas-là. Mais YouTube annonce qu'ils n'ont pas la technologie nécessaire pour faire la différence. Selon eux, Content ID, qui servirait également à ça, ne serait pas suffisamment développé. Et c'est pourquoi la notion de faire leurs meilleurs efforts ou bloquer absolument fait toute la différence. Si YouTube se retrouve obligé de bloquer ses contenus, mais qu'il ne peut pas en faire la différence avec d'autres, il se verrait contraint de supprimer plus largement des vidéos, même si elles sont en règle. En revanche, si c'est faire leurs meilleurs efforts, ça laisserait une porte de sortie à YouTube, leur permettant de faire évoluer Content ID au fil du temps. Par exemple, selon YouTube, il est aujourd'hui possible de reconnaître une musique, mais pas un bâtiment. Or, le droit d'auteur s'applique dans certains cas aussi à l'architecture. Et d'ailleurs, juste pour info, YouTube a un contrat avec la DAGP, qui représente les arts graphiques et plastiques. Suite à cet article, les États membres, c'est-à-dire les pays de l'Union européenne, devront mettre en place un organisme indépendant pour gérer les réclamations des créateurs sur les décisions prises par les plateformes. En gros, si par exemple YouTube supprime ta vidéo parce que tu as utilisé une œuvre dont les droits ne t'appartiennent pas, et que t'es pas d'accord avec ce choix ou tu veux en savoir plus sur pourquoi il t'arrive ça, tu auras accès à cet organisme indépendant pour avoir plus d'informations ou du coup déposer une réclamation. Et cet organisme ira directement traiter avec la plateforme concernée pour t'apporter des réponses. De leur côté, les plateformes devront elles aussi avoir leur propre pôle de réclamation pour pouvoir examiner les requêtes des utilisateurs. Et ça, c'est très important pour les créateurs de contenu comme les youtubeurs ou les streamers, puisqu'aujourd'hui, si YouTube, par exemple, prend une décision, bah c'est comme ça et c'est tout. À l'heure actuelle, les outils de réclamation sont vraiment très limités. Là, on aurait une vraie opportunité de pouvoir se défendre ou même juste de pouvoir comprendre. Voilà ce que cette directive demande. Mais ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est que YouTube, qui est publiquement contre la version actuelle de l'article 13, fait déjà plus ou moins tout ce qui est demandé. Enfin, seulement en France. Prenons par exemple les droits d'auteur qu'on vous a expliqué. Vous vous rappelez comment ça marche en télé? Eh bien, il y a quelques années, les sociétés d'auteurs ont voulu faire la même chose sur YouTube. Après tout, on peut se dire que c'est l'audience qui compte et non pas le support. 1 million de vues pour une fiction sur YouTube devrait également rapporter de l'argent aux scénaristes, comme ça aurait été le cas pour 1 million de téléspectateurs sur TF1. Du coup, il y a à peu près 3 ans, les sociétés d'auteurs sont allées exposer cette idée à YouTube France, et seulement France. Et YouTube a accepté, du coup le modèle a été transposé. Pour comparer, YouTube c'était TF1, les sociétés production sont les youtubeurs, et les scénaristes, auteurs ou réalisateurs restent les scénaristes, auteurs ou réalisateurs. Par exemple, dans un court-métrage de Cyprien, ce n'est pas lui qui le réalise, c'est donc le réalisateur qui touchera les droits. Mais souvent, les youtubeurs sont aussi eux-mêmes réalisateurs et auteurs. Ce qui fait qu'on touche notre part des revenus YouTube, et aussi les droits d'auteur, puisqu'on fait tout. Pour les créateurs, c'est génial, on est rémunéré pour nos créations. Et d'ailleurs, la plupart des youtubeurs ont fait la demande pour les toucher. Mais alors, à combien s'élèvent aujourd'hui les droits d'auteur sur YouTube? Eh bien, ils changent chaque
chaque année. Tout simplement parce que c'est YouTube qui décide. Il n'y a aucune loi sur ça, vu qu'on le rappelle, ils sont simples hébergeurs. Cette action est purement une volonté de YouTube France, puisque rien ne les force à le faire. Et du coup, les sociétés d'auteurs et YouTube France ont un accord financier sur plusieurs années. Cet argent est ensuite redistribué aux auteurs, réalisateurs et YouTubeurs, en fonction du nombre de vues, de la durée de la vidéo, etc. Oui, parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que nous, YouTubeurs, on est également des ayants droit. Mais alors, pourquoi YouTube fait déjà ça alors qu'ils ne sont pas obligés? Justement, pour garder le contrôle et pour éviter d'y être obligés. S'ils prennent les devants, ils montrent qu'il n'y a pas besoin d'une loi pour les y contraindre. Seul problème, comme on le disait plus tôt, si demain YouTube décide de ne plus verser les droits d'auteur, ils peuvent tout couper. Et en plus, ça n'existe actuellement qu'en France. L'article 13 veut en partie obliger YouTube à les payer et veut généraliser ça dans toute l'Europe pour les créateurs de l'Union Européenne. Alors si finalement il y a aussi des bons côtés à cet article 13 puisqu'il protège les YouTubeurs et les créateurs en général, on peut se demander pourquoi les YouTubeurs ont ce genre de discours. Mais même un simple poster que vous avez chez vous, une figurine, une affiche, peut être l'objet d'un blocage international. Voilà, il y a un Sonic là, il y a un champignon de Mario qui est là. J'ai pas les droits, techniquement, de diffuser ça, donc vidéo bloquée. Vous voyez l'inscription Rode là? Eh ben je vais devoir la cacher. Vous voyez le micro là? Il y a la marque du Technica et le logo. Eh ben je vais devoir tout cacher. Vous voyez ce poster One Piece? Ça dégage. Mais j'ai pas envie de faire ça à l'arrache, vraiment. Ouh là là, qu'est-ce que tu fais, Sofiane? Eh bien, c'est ce qu'on appelle du lobby. Et celui-là est fait de la part de YouTube, directement. Alors attention, c'est loin d'être les seuls à faire du lobby dans cette histoire. Les sociétés d'auteurs, par exemple, le font elles aussi de leur côté, en faveur de l'article 13. Mais là où il y a une différence, c'est l'évolution de la façon dont YouTube et donc Google fait ça depuis le début de cette directive. Oui, depuis le début, parce que là, on pourrait croire que la position de YouTube par rapport à l'article 13 est très récente, quand on voit le matraquage qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Mais non, ça remonte en réalité à bien plus longtemps, mais de façon beaucoup plus discrète. Par exemple, au Tatou, on a reçu un mail le 8 juin dernier pour nous sensibiliser sur une journée d'action contre l'article 13, nous racontant très brièvement de quoi il s'agissait et nous incitant à publier des messages prédéfinis sur nos réseaux sociaux. Cette campagne portait le nom de Create Refresh. Et évidemment, on est allé fouiller pour savoir de quoi il s'agissait. Sur l'accueil du site, on peut voir que ce sont les créateurs et les auteurs de tout horizon qui sont mis à l'honneur et que la campagne est là pour les défendre. Il y a même un renvoi vers un autre mouvement parallèle, Save Your Internet. Pour l'instant, on dirait clairement des mouvements d'artistes citoyens engagés pour leurs droits, alors que c'est clairement contre l'article 13, ce qui nous a laissé un peu perplexe. Sauf qu'en jetant un coup d'œil à la page à propos, on se rend compte qu'il y a tout un tas d'organismes derrière. Et dans les deux mouvements, on retrouve en premier, alors que ce n'est pas classé par ordre alphabétique, mais bien par ordre d'importance, Copyright for Creativity. Si, for si. Évidemment, on a voulu savoir ce que c'était. Pareil, on va sur le site, puis dans à propos, et on cherche un peu. On tombe très rapidement sur un nom, Caroline de Kock. C'est la coordinatrice de Si, for si. Et elle est aussi directrice de N-Square, une société de lobby européen avec, dans ses clients, Google, et donc YouTube. Et on peut aller encore plus loin. Parmi les autres clients de N-Square, il y a aussi CDT, Center for Democracy and Technology, qu'on retrouve également dans la liste des organismes derrière Create Refresh ou Save Your Internet. CDT est dirigé par Nuala O'Connor, dont le poste précédent était chez DoubleClick, société de Google. Encore ? Dans l'onglet financement de Save Your Internet, il est indiqué que la campagne est financée par CCIA, Computer and Communications Industry. Je vous laisse imaginer qui est membre de cette organisation. Et oui, évidemment. Et encore, là, on ne parle que de ces campagnes-là. En réalité, il y en a plein d'autres, comme Fix Copyright, organisé par Edima, où là aussi, on retrouve parmi ses membres Google. Bon, on pourrait faire ça pendant des heures, mais je pense que vous avez compris le principe. Le but est simplement de vous montrer que Google, et donc YouTube, fait du lobby contre l'article 13, et ce depuis longtemps, mais tout en restant caché. Ça a fonctionné, puisque la directive que tout le monde imaginait passer d'un seul coup, sans être modifiée par le Parlement européen, a finalement été bloquée par le Parlement. Alors, pas totalement bloquée, parce que le Parlement n'a pas dit non, on ne le fait pas, mais plutôt c'est pas mal, mais on aimerait bien modifier deux ou trois trucs. Et donc au final, ça a décalé le vote de la directive. Du coup, Google, et donc YouTube, a décidé de changer de stratégie. Et pour ça, ils ont récemment fait des campagnes publicitaires, comme sur Instagram par exemple, annonçant clairement leur position pour gagner l'opinion publique. Et puis ils ont fait encore plus fort pour toucher les gens, ils ont transformé leur meilleur atout, les YouTubeurs, en lobbyistes. Beaucoup ont directement été appelés par YouTube. Et à ce moment-là, les YouTubeurs, eux, n'étaient même pas au courant de l'article 13. Et YouTube leur a donné sa version, son point de vue, avec des choses parfois même erronées que les YouTubeurs ont repris dans leurs vidéos. Alors les YouTubeurs, eux, n'y sont pour pas grand-chose. Hein. On leur a dit, regarde ce qui se passe, tu vas perdre ta chaîne, ton boulot. Du coup, tout le monde a paniqué. Et c'est pour ça que certains YouTubeurs ont pris position publiquement contre l'article 13 et sans forcément avoir toutes les infos. Et aujourd'hui encore, ils ne sont pas au courant de la totalité. La plupart n'ont toujours que la version de YouTube. Et c'est aussi pour
pour ça qu'on fait cette vidéo. Bref, tout ça explique pourquoi on a vu fleurir des vidéos annonçant à tort que si l'article 13 était appliqué, ils ne pourraient plus avoir avec eux une canette de coca ou une marque sur leur t-shirt. Mais la grande question dans tout ça, c'est pourquoi YouTube est contre cet article 13? Pourquoi n'ont-ils pas dit la vérité aux youtubeurs en leur expliquant tous les bons côtés que ça pouvait leur apporter? Pourquoi ont-ils exagéré certains faits? Et qu'est-ce qui les pousse à ce point à partir en croisade contre cet article? Eh bien, il y a plusieurs raisons. On l'a vu, YouTube ne veut pas perdre son statut de simple hébergeur. Il se retrouverait responsable juridiquement du contenu. Et ça pourrait potentiellement leur faire perdre de l'argent s'ils prennent des amendes pour des vidéos postées sur leur plateforme. Mais ce n'est pas la seule chose qui leur coûterait beaucoup d'argent. En réalité, reverser les droits d'auteur serait pour eux un énorme problème financier. Parce que comme on vous l'avait expliqué, le seul recours aux droits d'auteur aujourd'hui sur YouTube est Content ID. Et si l'ayant droit veut être rémunéré, YouTube doit les reverser la totalité de la part du YouTuber. Mais en aucun cas la part de YouTube. Et d'ailleurs, quand YouTube se vante dans un tweet d'avoir reversé plus de 5 milliards d'euros aux ayants droit depuis leur création, en réalité, ça n'a en aucun cas changé leur chiffre d'affaires, puisque c'est la part du YouTuber qui est impactée. Alors que là, avec l'article 13, la rémunération des droits d'auteur serait un mélange de la part du YouTuber et de celle de YouTube directement. Puisque comme en télé, le versement des droits d'auteur est un pourcentage du chiffre d'affaires global de YouTube, on comprend donc mieux pourquoi YouTube préférerait garder Content ID plutôt que de se plier à l'article 13. Mais ça, évidemment, ils se sont bien gardés de le dire aux YouTubeurs quand ils les ont appelés. Et du coup, tout ça nous mène à la conclusion. Wow, c'était long, hein. Mais voilà, il fallait vous expliquer tout ça, que vous soyez viewer ou youtubeur. Et on est content d'avoir pu vous éclairer sur le sujet. Parce qu'on a entendu tellement de raccourcis ou même de fausses infos ces derniers temps, et qu'il est quand même important d'avoir tous les points de vue possibles avant de se faire le sien. On insiste bien sur le fait qu'on ne cherche pas à décrédibiliser qui que ce soit, mais juste à vous livrer l'information telle qu'elle est. À vous d'y réfléchir ensuite. Et petit message aux youtubeurs qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, avant de faire des vidéos là-dessus, prenez bien le temps de vérifier ce qui est dit. N'écoutez pas qu'une seule voix, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre. On sait qu'on est leur moyen de communication à eux et que chacun essaye de nous mettre un peu dans son camp. Et on appelle vraiment tout le monde qui pourrait tomber sur cette vidéo à la relayer, pour qu'un maximum de gens puissent être au courant des vrais changements qu'apporterait cet article 13. On vous remet à l'écran les 4 changements principaux pour que vous les gardiez en tête. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire ou sur nos réseaux. On en profite pour remercier les institutions européennes, les maisons de droits d'auteur et Google. Ils nous ont tous aidés à réaliser cette vidéo et à en comprendre les aspects un peu complexe de cette directive. D'ailleurs, avant de tourner cette vidéo, on leur a envoyé le script pour qu'ils puissent confirmer tout ce qui a été dit. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager un maximum et surtout, faites-vous votre propre avis.